La porte de l'enfer représente la source du pouvoir de Mundus. On ne peut l'atteindre que depuis sa chambre. Vous devez y pénétrer et condamner la porte. Mundus est encore affaibli par sa dernière colère. C'est l'occasion ou jamais. Mundus ne sait pas que Virgil est un Néphilim. Ça va jouer en notre faveur. La tour a une porte de service, située ici. Virgil, tu dois atteindre la salle de la sécurité sans te faire voir. Dante, tu vas devoir faire diversion, ici. Hé, les gars! Vous voulez vous battre? Je suis là! Tu tiens de ton père, toi. Stupide et arrogant comme pas deux. Moi, un dieu. Contre toi, une pauvre merde. Pendant que Virgil s'introduit dans la tour. Éliminez-le en vitesse. C'est parti!
l'énergie, je vais désactiver le système interne de caméra. Mundus ne pourra plus voir où tu es. Approche, Dante. Si tu l'oses, je t'attends. Les bureaux sont très bien défendus. La seule exception, c'est l'étage 87, qui est vide. C'est là que tu retrouveras Vergil. Séparera ici. Dante, tu te dirigeras vers l'aile est. Toi, Vergil, vers l'aile ouest, là où se trouve la salle du serveur principal. Bonne chance. Toi aussi. Dante, tu vas devoir emprunter une passerelle pour rejoindre l'aile est. Tu la trouveras sur ce chemin. Vergil prendra le contrôle des serveurs dans l'aile ouest. Il t'ouvrira le chemin. Sécurité sera renforcée à cet endroit. Alors surtout, n'essaye pas de traverser tout de suite. Bingo. Une fois la voie libre, rejoins l'aile est. Sois prudent.
Ces étages sont occupés. Il y aura de la résistance. Étage 87. C'est le département finance. Ceux qui travaillent là ne sont quasiment plus humains. Ils ont été corrompus jusqu'à l'extrême. Un jour, l'humanité tout entière sera soumise à Mundus. Tout comme eux. Alors c'est ça l'enfer du boulot.
Oh! Quoi déjà? 105e étage, passerelle. C'est ça. 105e étage. Va au 106e étage. Quoi que tu fasses, surtout, ne t'arrête pas au 105e. Il brûle des nuits. Oh, merde! Par là, alors. Je peux plus reculer, maintenant. Merde. Ah!
étage supérieur. Ça m'étonnerait. Les démons doivent savoir que je suis dans l'aile Est à présent. Oh, bougez.
Dépêche, Virgil. Ça vient, Dante. Virgil, fais juste attention à ne pas déclencher l'alarme piratage. Bingo. Bingo. Pas bingo. Ah, bordel de merde. Virgil, tu ne dois pas te laisser entraîner dans les limbes. Sinon, tu ne pourras plus pirater les serveurs. Si tu es détecté, c'est fini. Je peux y arriver. Oh!
Vergil vous retrouvera à l'ascenseur principal. Ici, tu retrouveras Vergil. On avait sous-estimé Kat. Pas moi. Tu t'es attaché à elle. Tu défends notre cause. Au début, t'en avais rien à cirer. Prends l'ascenseur jusqu'à l'étage 154. Tiens, Dante, prends ça. C'est quoi ? Je l'ai prise sur un agent de sécurité. Il l'avait camouflée, mais c'est une arme démoniaque. Très puissante dans les limbes. Merci. Vergil, tu trahiras un chemin jusqu'à la chambre de Mundus dans le monde réel. Dante, il n'y a pas d'accès depuis les limbes. Tu devras passer par l'aile ouest. Ouvre la passerelle de l'aile ouest. La folie ici. Maintenant, t'as 5 étages infernaux à gravir. J'espère que tu vas t'en sortir. Ça va pas être facile.
T'avais raison. C'est l'enfer ici. Ah, c'est mieux. De là, tu devrais voir le cœur principal. Il faut que tu trouves un moyen d'entrer. Attack!